Entré au Haras de Victo en 2015, Gemix a eu ses premiers yearlings en 2017. Une soixantaine de produits sont nés à l'issue de ces deux premières saisons, tous d'aplomb, avec de beaux modèles et de l'influx. Leurs éleveurs, satisfaits, sont presque tous revenus. Ainsi, après avoir saillé 43 juments à chacune de ces deux premières saisons, il en a eu 55 en 2017, une progression riche de sens en troisième saison. Gemix véhicule les sangs de l'Inamix et d'Allège, de tous deux très efficaces en obstacle. Gemix a remporté deux fois la grande course de Haie d'Auteuil. Il est ainsi le seul gagnant de groupe 1 sur les obstacles à faire la monte. En 2013, il s'impose par 8 longueurs devant Solwit, gagnant lui-même de 8 groupe 1, battant entre autres Rêve de Sivola et Southern Stars, deux lauréats de groupe 1 également. Gemix va gagner un premier groupe 1 ici, à Nicolas Bertrand Valanda. La victoire de Gemix, deuxième place pour Solwit. En 2014, Gemix réalise une nouvelle démonstration de 7 longueurs devant notamment Zarkandar, 4 groupe 1 et autres, Diakali gagnant du prix Alain Dubreuil, groupe 1 encore, et cela en battant le record de l'épreuve. Gemix qui se détache, Gemix qui va garder son titre, double lauréat de la grande course de l'Auteuil, Gemix s'impose, David Cotin. Cheval dur et combatif, Gemix a tout d'abord montré de la précocité en gagnant deux fois à 2 ans, puis une remarquable régularité au plus haut niveau. Gemix a aussi démontré avoir de la tenue, comme en attestent ses victoires sur les 5100 mètres de la grande course de l'Aide d'Auteuil, ce qui ne l'empêchait pas de fournir une accélération dévastatrice pour rejoindre le poteau d'arrivée. Il reste stationné à Victo pour la saison 2018, toujours au tarif de 3 500 € pour le vivant. L'opération millionnaire se poursuit, c'est-à-dire qu'une saillie achetée 3 500 € pour la saison 2018 donnera droit à deux saillies à moins 50% à utiliser jusqu'en 2020.